Hello tout le monde, comment que ça va? C'est le bordel sur le Fulgence. On est ici le lundi 6 novembre, il est 7h57, quelque chose comme ça. Et je débute le vlog. Voilà. Alors, mon week-end, pas très productif puisque j'ai travaillé samedi, j'ai travaillé dimanche. Mais j'ai quand même fini. Nicolo dans le season, vous me direz en même temps ce type de landing page. Donc voilà ce que ça donne. J'en suis plutôt contente. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'ai pas voulu en rajouter de trop. Donc voilà. Je l'aime bien. Donc ça, c'était fini. Il faut d'ailleurs que je le note, que je prenne les photos aussi. Et j'ai commencé hier à faire. Alors, mon livre se casse, je suis en planche neige de Flandignon, et vous voyez, mon livre se casse, je suis dégoûtée. Et j'ai commencé ça. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose, n'est-ce pas? Mais j'ai commencé, c'est déjà pas mal, j'ai fait des choses juste parce que c'est, enfin je regarde. Donc voilà, j'ai commencé ça, j'ai fait quoi d'autre? Ah non, j'ai fait autre chose hier. Je n'étais pas, là c'est ce que ça figure. Je n'étais du. Pas du tout motivé à faire du ménage, donc voilà. Hop, ça je le remets ici. Voilà, j'ai fait. Hop, je l'attrape. J'ai fait ceci. Hop, voilà, un petit mot de bord sur l'automne, sur le papier craft. Et je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal. Donc j'ai fait ça. J'ai fait quoi encore? Pas d'achat. C'est miraculeux, hein? Ouais, il n'y a pas d'achat. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais regarder ce que dans mon projet, je crois que j'ai déjà tout montré. Les ATC, j'en ai parfait, il faut que je refasse. Là, pareil, j'ai commencé. Ah, elle est où? Elle est là. Il me reste une petite finition à faire. Voilà. Mais j'ai bien avancé aussi. Tout est colorié déjà. Donc il me reste encore une petite finition à faire. Et j'ai commencé un projet qu'on va finir ensemble, sûrement en vidéo d'ailleurs. Voilà, j'ai commencé ça. Une petite memory dex. Bah oui, je voulais utiliser ma pince quand même. Donc j'ai commencé ça, mais je pense que je la finirai avec vous en vidéo. Voilà. Quoi d'autre? Là, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Je vais voir en quel j'ai travaillé. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Quoi d'autre? Bah rien. Voilà. Je vais vous laisser pour ce premier rush. On verra si on se retrouve dans la journée du champ. Peut-être. Là, je vais aller faire un peu de ménage. Histoire d'avoir le temps de filmer après. Voilà. Donc à plus tard. Hello! Alors, on est toujours le 6 novembre, le lundi. Il est 4h, bientôt 5. Voilà. Vu que je suis en repos, j'ai été me balader, j'avais des colis Vinted à envoyer et tout ça. On en a profité, on a fait nose et on a fait action. Chose à pas faire pour la carte bleue. Bref. Et puis j'ai été chercher un colis Vinted que j'ai demandé, hein, forcément. Et donc que j'ai reçu et je vais vous présenter tout ça. Donc, pour commencer, dans mon colis Vinted, j'ai racheté des livres. Donc, j'ai pris Gilles Le Gardinier, une chance sur 1 milliard. Donc, la fois, je les rentre dans mon fichier lecture. Voilà. Et j'en ai pas qu'un. Non. Joël Dicker, le livre des Baltimore, vu que j'avais bien aimé ces deux premiers. Ça doit être le troisième. Le premier, c'était quoi déjà? Ah non, il y a plus que ça. En fait, on a La vérité sur l'affaire d'Harry Kéber. C'est ça, je l'ai lu. Et en principe, j'avais lu celui de Stéphanie. C'était quoi, Stéphanie? La disparition de Stéphanie quelque chose. Meller ou un truc comme ça. Enfin bref. Et que j'avais adoré aussi. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris. Il y avait un lot de Guillaume Musso. Alors oui, j'en ai déjà lu de Guillaume Musso, mais je ne sais plus lesquels. Voilà. Donc je sais que celui-là, je ne l'ai pas lu. La vie secrète des écrivains. Il date de, il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci, en principe, il date de 2019. Voilà, il n'y avait pas si longtemps. Voilà, donc celui-là, c'est sûr, je ne l'ai pas lu. Et après, je crois que je l'ai lu le mois dernier. Je ne suis pas sûre. Voilà. Oui, c'est ça, je l'ai lu.
il n'y a pas si longtemps. Mais la couverture est super belle. Donc voilà. Et Guillaume Musso, sauve-moi, je ne sais plus. Ouais, bah je sais plus celui-là. Bon, bah je vais. Ensuite, j'ai pris Ragnar Jonasson, donc Snjór. Huis clos à l'irlandaise. C'est ça, hein? Ouais, à l'islandaise, pardon. Je sais pas si j'ai mal lu. En principe, c'est un thriller. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Voilà. Et enfin, j'ai pris celui-là qui date aussi, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc celui-là, à mon avis, il date et je n'ai jamais lu. Il me tentait. Ah non, 2011. Ouais, il y a quand même 10 ans. Hein. 12 même. Donc voilà. Mes achats, lecture. Et donc j'avais reçu aussi, à part, parce qu'elle avait oublié la posème, le livre 2 du passe-miroir. Voilà. Donc ça, ça va être à remonter. Parce que ça ne fait pas partie de ma pile à lire de ce mois-ci. Ensuite, je suis donc allée à Action. À Action, ça va, j'ai pas été, tout du moins pour tout ce côté scrap, créa, j'ai pas été très dépensière, dirons-nous, puisque j'ai été dépensière, j'ai acheté quoi bah, des trucs pour qu'on mange à 4 heures, là, pour faire du chocolat chaud. J'ai acheté de quoi nettoyer mes pinceaux, du petit bracelet, un portefeuille, un sac. Voilà, vous savez tout. Et ceci. Le set de 24 déco pour Noël. Oui, je sais, c'est pas tout de suite. Donc, je vais le ranger parce que je ne compte pas l'utiliser maintenant. Mais pour faire avec ma fille. Voilà, on s'amusera à faire une petite déco de Noël. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai juste pris une planche. Voilà, je ne l'avais pas vue quand j'y suis allée la dernière fois. Et elle me plaisait bien, en fait. Elle fait très détective. Donc, ça, pour mettre dans mon livre de lecture. Ça va être du tonnerre. Ça, j'adore, je kiffe, c'est trop mignon. Ça, pareil, dans mon livre de lecture, je le vois très bien. Oui, ça aussi. Enfin, l'outil-fauteuil aussi. Le sablier aussi. Voilà, donc, ouais, je le voyais très bien dans mon carnet de lecture, celui-là. Que je vais pouvoir ranger. Ensuite, bah, le pire que j'ai acheté, c'est Thanos. Oui, oui, j'ai fait des trouvailles à Thanos, ce qui est très rare. Je tiens à préciser. Mais là, cette fois-ci, on avait quand même pas mal de scrap. Donc, en scrap, j'ai acheté quoi? J'ai acheté le stock de pochettes comme ça, parce que 99 centimes. Donc, comment vous dire que j'ai craqué, voilà, bon. On a quand même 3 compartiments. Donc, au pire, ce que je peux faire, c'est ranger mes... Je comptais ranger mes ATC peut-être dedans, voilà. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que je dois avoir un classeur quelque part. Et j'ai pris les 5 derniers paquets qui restaient, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé un petit bloc, comme je suis partie très automne. Donc j'en avais déjà un, mais j'avais pas dû prendre les deux quand c'est sorti sur Keepers. Donc j'ai pris celui-là, voilà, parce qu'il me plaisait beaucoup. Et comme je suis en pleine créa automnale, je me dis que ça peut m'aider. Voilà, je vais l'utiliser dès maintenant. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé quoi? Ah oui, alors bah, ma mamie des stylos, mais j'adore les stylos effaçables. Du coup, j'en ai pris deux, voilà. Hop, et ça, hop. Mais comme vous savez, j'aime écrire, donc c'est pas très grave. Hein. Les recharges, je pense que je vais les laisser dans mes petits tiroirs là. Hop, voilà. En principe, il y en a un dedans. Oui, impeccable. Et en plus, je crois que j'en ai d'autres là-haut, donc ça tombe bien. Voilà. Hop, c'est rangé. Et donc, deux stylos effaçables. 99 centimes avec la recharge. Ça va, c'est raisonnable. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai trouvé quoi? Ben, j'ai trouvé des tampons. Et je vais finir par le plus cher. Donc, j'ai trouvé des tampons. J'ai trouvé ça comme tampon. Voilà, avec Friendship, Well Done, You Are The Best, Vos Rêves, You Thank You, Don't Give Up, Dream A Little. L'étiquette, ici, on a Missing You, Lots Of Love. Et je l'ai payé 2,50€. Mais ça, ça peut toujours servir. Ensuite, 2,50€, j'ai aussi pris, puisque j'ai une ATC à bicyclette à faire. Je me dis que ça, dans le fond, pour faire l'ATC, ça peut être sympa. Voilà. Et enfin, 2,50 aussi, je crois. Ah non, 2,99 celui-ci. C'est avec le cerf de Noël. Et je me dis que ça, c'est pareil. Ça peut faire une très jolie carte. Ça peut faire une très jolie carte. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup. Oui,
Voilà, donc j'en suis à 1, 2, 3 tampons. Et le plus gros pour la fin, celui-là m'a coûté cher, mais il est tellement bien. J'ai pris ça, voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais il faudrait que tu ressortes ta planche à découper. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pour faire des enveloppes et la carte associée. Voilà, voilà. Donc, et il y a même l'instruction derrière. Donc, on coupe une fois à chaque truc, en fait. Et une fois qu'on a découpé une fois à chaque truc, on arrive à faire l'enveloppe. Donc, c'est cool. Et la taille de l'enveloppe, c'est 11 par 23. Voilà. Bon, après, il y a toutes les petites choses qu'on peut rajouter. Hein. Parce que je vois, là, il y a pour mettre bah, dans un bullet ou dans un art journal. On a là, c'est le dies pour faire la bordure qui est ici. On a de quoi faire la carte qui est ici. Donc, on est bien. On est bien, on est bien. Voilà. Bon, 12,99. Mais je crois que c'est au moins 30 euros chez Keepers. Donc, bon, j'avais du tout pas le prendre parce que ça faisait cher. Mais là, 12,99, je me suis laissé tenter et je l'ai pris. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à m'amuser avec ça. Je vous montrerai si j'arrive à en faire au moins une. Voilà. Bah, c'est tout. Hein, parce qu'après c'est le sac que j'ai pris à Action, parce que je vais changer de sac et là j'en ai pris un tout doux. Voilà. Voilà, je vais en vie. J'avais été voir à nos. Ils étaient trop chers pour moi. Donc voilà. J'ai pris celui-ci qui est immense. Et surtout, il est tout, 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 tout. Je me dis que pour faire la sieste le midi après le boulot, au boulot, ça va être trop bien. Voilà. Donc bah voilà. Hein, mes achats du jour. Je vais pouvoir tout ranger. Voilà. Donc, moi, ah non, j'ai oublié mon petit carnet. Regardez comment il est trop mignon. Et ça, il était resté sur mon bureau, c'est pour noter mes idées, etc., etc., en fait. Ou si j'ai un courrier qui me trotte dans la tête pour le faire, etc. Voilà, ce sera mon petit bloc-notes sur mon bureau, ça me va bien. Donc voilà, bah, je vous laisse, je vous souhaite un... Bah non, au final, parce que c'est le deuxième rush seulement, donc on va pas finir le vlog aujourd'hui. Donc on se retrouve plus tard. Ouais, pas demain, non, demain je ne pourrai pas. Mais on peut se retrouver par contre mercredi. Voilà, je vous laisse, salut. Hello, on est mercredi 8, il est donc 9h30, voilà, et j'ai reçu mon colis Keepers. Donc bah, je vais vous montrer ce que j'ai pris, en vous donnant les prix, ce sera bien, n'est-ce pas? Et donc j'ai pris ça et ça, vu que c'est au même prix, je vous montre les deux, 18,25 les 6 à chaque fois. Donc, on a le spécial portrait, on a le, celui-là, il s'appelle Car Design. Voilà, là, c'est portrait, là, c'est Car Design. Bon, voilà. Il y en avait un troisième, mais je ne l'ai pas encore reçu. Il était plus disponible, voilà. Donc, bon, je pense que peut-être dans la prochaine. Donc là, on va tester ça déjà. Hop, hop, les portraits. Donc là, c'est un bloc de chez Action, hein, vous savez, où il y a le côté marqueur et le côté... Bon, si vous pourriez sortir, ce serait cool. Alors, c'est des feutres à alcool. Et vu que j'ai adoré... La... Oh ! Aquarellable. Je me suis dit que je ne pouvais que aimer leurs feutres à alcool. Sauf qu'il y en a un qui ne veut pas sortir. On n'est pas dans le caca. Aïe ! Yeah. Voilà. Donc là, vous avez toutes les couleurs pour le portrait, du coup. Voilà. Hop, on va faire ça. Je pense que je vais pas y laisser dedans, mais bon, c'est pas grave. On a des petites fiches. On a des petites fiches. Alors attendez, je vais les sortir. Si j'y arrive, elle ne veut pas sortir. Mais c'est terrible, cette boîte. Ah, bah c'est justement un nuancier. Oh, bah c'est beau ça. Oh, bah on va le faire directement là-dessus alors. Voilà, c'est les Gold Faber, donc sketch marker. À base d'alcool. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? En français, d'accord. Bon, ça c'est sur Faber-Castell. Permet aux artistes débutants comme aux artistes amateurs de développer leur créativité avec plaisir et passion grâce à du matériel de grande qualité. Voilà ce qu'ils nous disent. Donc là, on a toutes ces couleurs là. Voilà de ce qu'ils disent. Hein, voilà, et sont disponibles à l'unité en 59 couleurs différentes. En 7 de couleurs classiques ou en 7 thématiques. Voilà. Et ici, ils nous disent quoi? Les 59 couleurs des Faber
Des gueules de Faber Sketchmarker vous offrent une large palette pour vos univers artistiques. Les capuchons et les corps sont fabriqués à partir de plastique 100% recyclé et peuvent présenter des variations de couleurs dues à la production, ce qui n'influence cependant en rien la couleur de l'encre. Voilà. Donc, eh ben on va faire le nuancier, puisqu'on l'a. Alors, maintenant, reste à savoir où sont nos couleurs. Bon, j'ai commencé par la grise, là. Alors, neutral grey, 4334. Natural grey, donc natural grey, 334, j'ai dit, hein, ouais. 332 ici, 334 ici. Donc, on a une pointe pinceau, ce qui est pas mal, et une pointe toute fine, vous voyez. Donc, on va faire avec la pointe pinceau, forcément, parce que là, c'est une grande zone, quand même. Une 334, hop. Le papier a l'air trop bien, en plus, pour le feutre à alcool. Je pense qu'il est étudié pour, n'est-ce pas? Alors, si je refais, par exemple, comme si c'était des crayons, n'est-ce pas? Une deuxième couche, sauf sur le bout, ici. Que j'en refais une troisième. Voilà. Et bien, ça fait super sympa. Regardez. Voilà ce que ça donne. On est bien. On est bien. Bon, l'arrière, forcément, on voit ça a traversé un peu, mais c'est pas dramatique. Mais ouais. Non, franchement. Ah, je suis bien bon. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, pour commencer. Donc là, on avait le 334. J'essaie de les ranger au fur et à mesure. On a le 378 Mahogany. 378. Alors ça, ils vont me l'avoir mis où? 378, il est là. C'est ça que j'ai dit. Hein. Toc, 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 toc. Ouais, c'est ça, 378. Donc, on y va. Il est ici. Comme c'est des cases rectangles, j'y vais par trait. Hop, donc pareil, je vais faire une deuxième couche. Une troisième. Et enfin, le plus foncé. Voilà. Ça nous donne un petit dégradé. Bon, là, ça fait un petit peu marron quand même. C'est plutôt marron. Donc, hop, je le range. Ensuite, on a une couleur 304 Vintage Rose. 304, là j'ai 314. 164, 303, 304, il est là. Hop. Pardon. Donc, une première couche. Voilà. Ma deuxième couche. Une troisième. Voilà. Hop. Très jolie couleur, j'aime bien. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai la couleur 186 Terracotta. Est-ce que ce serait pas plus par là, ça? 168. 186, on a dit. 304. 186. Ah, ben non, ils l'ont mis là. La 186, elle est là. Alors, on y va. Donc, pareil, je vais faire comme les autres. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on en a encore deux à rajouter. Alors, sur les deux. Oh, bah, puis ça, ça ne veut pas rentrer. Pourquoi ça ne veut pas? Ça y est. On a 303 Powder. Alors, 303, il est là. Le 303, il va ici. Oh, très pêche.
très jolie couleur. Ensuite, la dernière, du coup. La dernière, 132. Là, j'ai 131. 132, elle est là. Voilà, donc là c'est pour faire un portrait. Donc il y a des couleurs vachement foncées quand même pour faire un portrait, je trouve. Mais voilà ce que ça donne. Donc le set de portrait, on a ces couleurs là. Il manque la grise que je vous ai pas. Voilà, on a donc ces couleurs là. Ensuite, dans la pochette, donc ça je vais le garder comme ça. Il va falloir que je les range, mais je ne sais pas où ni comment. On va prendre celle-ci, donc du coup. Et en principe, on ne devrait pas avoir les mêmes quand même. J'espère. Donc là, on a des couleurs. Donc, on a un rouge, un bleu très clair, une espèce de blond presque. Ça doit être un gris très clair. Et là, on a un autre gris. Et enfin, un autre gris. J'espère que c'est pas Natural Gray 335. Waouh, on a eu de la chance. Ah, non, on en a encore un. Et on a le Natural Gray 6336. Impeccable. Ce qui fait que là, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Donc ça, ça m'arrange. Donc là, en fait, ça va être la ligne des gris, je pense. Puisque là, on a Natural Gray 6336. Et donc, Natural Gray 6336. Donc, très foncé aussi. Voilà, donc celui-ci, je l'arrangerai après, 335, donc la couleur intermédiaire là, là on aura les trois gris à la suite, c'est cool. Voilà. Ensuite, on a le 242, col de grès 12. Ah, 242, il va ici. Là, c'est vraiment très clair. Hein. Voilà. Ensuite, on a le 331. Donc, lui, il va là. Ouah, encore plus clair. Trop fort. Voilà. Et on a le 240 aqua. Donc lui, je le verrai plus par là. Voilà, il est là. Oups, 240. Voilà, très jolie couleur, j'aime beaucoup. Ah non, non, on les garde dans le bon sens. Et enfin, on a le Scarlet Red 118. Il va là. Hop.
Donc, le deuxième set, on a donc le rouge ici, qui est un très beau rouge. Hop, le bleu qui est magnifique. Et ensuite, on a des gris ici. Voilà, donc dans la collection gris, déjà, on est pas mal. En deux sets, on a quand même pas mal de gris. Voilà, bon, forcément, si on regarde de l'autre côté, ça traverse. Hein. Mais j'aime bien les couleurs, on n'a pas trop de traces. Les dégradés se font plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on peut s'amuser avec ça. Voilà. Donc, ça à garder forcément, hein, puisque comme ça, même quand on veut acheter à l'unité, là, je saurais qu'ils sont sur ce papier. Voilà. Donc, je range ça. Donc, oui, c'est un petit peu cher à l'achat, mais voilà. On a de la qualité. C'est quand même Faber-Castell. Donc, bon, hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça, à tester dans un colo ou dans. Un projet scrap, bon, du coup je vais vous laisser ça, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris, comme je suis remise un peu à scraper quand même, je me suis pris de la colle comme ça. Alors, celle-ci, c'est comme des dots. Je vais vous l'ouvrir, comme ça je vais mettre à la poubelle tout de suite le carton. Voilà, donc ça c'est une permanente, une colle permanente, hein, en rouleau. Et là en fait ça fait comme des petits points. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des petits points. D'où dots, voilà. Et on l'a ici, en fait, ça fait des petits points comme ça de colle sur une bande. Voilà. Et enfin, j'ai pris celle-ci. Et celle-ci, c'est strip. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est toujours la même marque, hein, mais je les achète chez Keepers. Je vais vous donner les prix. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est permanent, mais cette fois-ci, ça fait des lignes comme ça. Vous voyez, au lieu d'avoir des dots, ça fait ça. Alors, dans le. Comment que ça s'appelle? Je sais pas lequel est le mieux. Voilà. Donc j'ai pris les deux. Comme ça, je vais tester les deux. Je verrai celle qui me plaît le plus. Voilà. Maintenant les prix. Alors là, celle-ci est à 3,20 €. Celui-ci, 3,45 €. Voilà. Ah, pour vous donner une idée. Mais voilà. Donc, hop, à utiliser très prochainement. Je mets ça à la poubelle. Comme ça. Ah, mais attendez, il y a peut-être des explications derrière. Je suis bête. J'ai pas lu. Oh, j'ai pas vu la boîte. Oh, j'ai lu là. Hop. Alors, les. Ici, c'était quoi? Les dots mini, ils disent quoi derrière? Adhésif permanent de forte adhérence double face. Les bandes permettent une application courbée en cercle et dans le de petits espaces. Parfait pour les créations papier, le mix média et plus encore. Capuchon pour une grande protection et un. Ben, j'ai pas compris. Et un rangement plus sûr. Ça y est, j'ai trouvé. Décorer l'adhésif avec des paillettes, du film et plus encore. Peut être embossé, bande en plastique, mais incassable. Donc celui-là, on peut même y mettre des paillettes, embossées ou, à mon avis, le foil. Voilà, donc il va falloir que je teste ça. Celui-ci maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit sur celui-ci? Alors, sur celui-ci, on nous dit quoi? Adhésif permanent de forte adhérence double face. Les bandes permettent une application courbée en cercle et dans de petits espaces. Parfait pour les créations en papier, le mix média et plus encore. Capuchon pour une grande protection et un rangement plus sûr. Décorer l'adhésif avec des paillettes et du film et plus encore. Peut-être embossé. Bande en plastique incassable. Oui, donc finalement, c'est la même chose. Sauf que, alors attendez. En dessous, j'ai un petit 1. Tenir la poignée. Il y a une poignée, peut-être? Alors attends. Ben non, pourtant, il n'y a pas de poignée là. Qu'est-ce que c'est que ça? Aligner les flèches. Les flèches, elles sont des flèches. Ben, je ne vois pas de flèches. Alors déjà, ça doit être comme ça. Ok, mais les flèches, je ne les vois pas. Glisser dans les rainures. Ouais, bon, ben, je verrai, hein, à l'usure, parce que à l'usage, pardon. Parce que là, je ne vois pas, mais je pense qu'on peut y rajouter un truc parce que là, il y a des trous. Je
Donc, à voir. Voilà, à voir. Il doit y avoir un truc à rajouter si on veut. Enfin, bref. C'est pas grave. Ensuite, de quoi parlons-nous? Alors, après ça, j'ai commandé quoi? Ah oui, j'ai commandé à 7,95 €. Ceci. Donc, un bloc de papier. Voilà. J'essaye de vous mettre hop, en entier. Donc, je vous le montre. On a des pages comme ceci. Hop, ouais, elles sont dans le cadre. Elles sont trop belles, les pages. Moi, je vous lis une, deux, trois. Donc, trois fois la même. Ensuite, on a ce paysage qui est trop beau. Pareil, en trois fois. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Ils sont beaux, hein? Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, celui-ci. Voilà. Je les trouve magnifiques. C'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs. Des pages unies, c'est toujours utile. Voilà. Toujours, toujours utile. Et voilà le bloc. Donc celui-là, il était à 7,95 €. Pardon. Ensuite, j'ai pris bah, le Dykel bloc qui va avec. Et lui était à 6,95 €. Et on a donc ce Dykel bloc-là. Là, vous voyez vraiment dans tout, ça, toute la grandeur. Voilà. Hop. Pareil, donc on a deux fois les mêmes pages. Mais c'est d'une beauté. Je trouve ça trop beau. Voilà. Du texte. En anglais, c'est ça qui est dommage, mais. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris du washi Gorgeous. Voilà. Alors celui-là, je vais essayer de le laisser dans la petite boîte. Ah. Donc le washi Gorgeous. Voilà. Hop. Hop. Donc on a comme couleur ou comme style. Voilà, on a ceci. Donc on a un rayé, on a un petit peu effet dentelle avec des petites étoiles et celui-ci. Ah, si je peux le sortir. Voilà. Et celui-ci avec une gorgeous dessus. Voilà. Celui-ci, on a le droit à la gorgeous. Est-ce que vous verrez bien? Je ne suis pas sûre. Mais là, on a le dessin de la gorgeous, en fait. Je vais vous mettre comme ça. Oh, il y en a plusieurs même. Hop, voilà. Là, vous le voyez. Donc voilà. Donc ça, les gorgeous, enfin, le washi était à 4,95 €. Ensuite, je suis dans l'ordre pour pas me perdre. Sticker sheet, ça doit être ça, ouais. Donc on a ceci et c'était sticker sheet 6,95 €. Donc 6 euros et on a à l'intérieur, comment qu'elle s'ouvre cette pochette là. Yes, parce que celle-là on peut la garder telle quelle pour ranger, c'est pas mal. Ou même faire une pochette pour une copine. Oh bah regardez, à l'intérieur on peut même découper. Hop, et donc à l'intérieur on a, d'ailleurs j'ai hésité à prendre le tampon là. Mais peut-être que je finirai par le prendre. Donc, on a deux feuilles comme ça, deux stickers. On en a deux autres. Oh, trop mignon, avec son petit nounours. Hop, comme ceci. Ah, ben, vous les voyez pas. Voilà. Comme ceci. Après, on a celle-ci avec son petit bonhomme de neige, là, trop chou. Ou avec son petit lapin. Voilà.
Et enfin, avec celle-ci, on a les petits renards, là, la petite jeune fille avec son arbre et le renard. Voilà. Donc ça, c'était pour ce set-là. Donc 6,95. Ça rentre plus? Comment ça rentre plus? Je vais rentrer comme ça, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Hop. Ensuite, j'ai pris un autre set. Non, j'ai pris d'abord un tampon cling et c'est le à 4,95. Et c'est la petite jeune fille avec son petit chocolat chaud. Voilà. J'ai pris celle-ci. Elle est trop mignonne. Hot Chocolate, donc la numéro 13. Et peut-être que je craquerai sur un autre, je sais pas. À voir. Ensuite, j'ai pris le Craft Set Paper à 10,95. Donc là, c'est celui-ci. Donc toujours dans une grande pochette. Hop, qu'on peut récupérer. Hop, voilà. Oh bah, on a justement mon tampon à l'arrière. Donc, on a une feuille de stickers ici. Hop, j'essaye de vous caler. On a une autre feuille de stickers ici. Une autre ici, bah du coup ça fait celle que j'ai déjà pris, mais c'est pas grave. On a des petites dentelles, donc ça ressemble justement à mes washi. Là on a les petites étiquettes. Là on a une feuille pailletée, très pailletée d'ailleurs. Une autre mais dans les tons rouges, trop belle. Une autre dans les tons un peu dorés. Alors, je suis désolée, les voisins font son jardin. On en a une à pois. Hop, une avec des petites étoiles, une autre avec des étoiles, mais cette fois-ci font nuit. Hop, du vert, et c'est recto verso. On a la même chose à l'arrière. On a à rayures, étoiles sur fond violet, des petits ronds sur fond rouge, des petits cœurs, et c'est tout. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour le craft, c'est cette paper. Donc vous pouvez très bien prendre que ça. Et ne pas prendre ce que moi j'ai pris avec. Ça peut suffire avec ça. On peut faire plein de choses. Voilà. Hop. Donc celui-là, je vous ai donné le prix. Le Craft Set Paper, 10,95. Ensuite, j'ai pris à 7,95 le Set Embellishment. Hop. C'est-à-dire celui-ci. Hop. Oui, tant qu'à faire, moi j'ai tout pris. Non, j'ai pas tout pris parce qu'il y a encore les dies. Il y avait des dies, il y avait quand même pas mal de choses. Je me suis quand même restreinte un petit peu. Hein, oui, un petit peu. Mais pareil, la pochette, je la garderai, je pense, pour ranger. Ah bah, puis là, tout est emballé. Hop, voilà. Ah bah, puis à l'intérieur, oh, on a des petites images comme ça, rectangulaires. Donc là, je vais rouvrir comme ça. On a presque fini. Tout va bien, on a presque fini. Hop, voilà. Alors, à l'intérieur, on a des petites étoiles comme ça qui peuvent aller dans les checkers. Donc, un petit peu toutes les couleurs. On a des petites enamel dots comme ça, là, des petits strass. Ensuite, là, c'est des die cuts. Ce n'est plus des stickers, c'est des die cuts. Donc, on a celui-ci, dont un qui est parti. On doit avoir deux feuilles. Et celui-là doit aller là. Voilà, c'est ça. On a deux feuilles de die cuts. Il se détache déjà. J'en ai perdu un. Il est tombé où? Bon, ben, je le ramasserai après, parce que je ne sais pas du tout où il est tombé. C'est une des bandes là. Voilà. Bon, ben, ça, c'est mal fait, par contre. Donc, je les mettrai directement en boîte. Voilà. Donc là, on a ceux-là. Donc, pareil, il y a deux pages. Hop. Alors, ceux-là tiennent mieux. Ici, encore deux pages. Ouais, il y a que la première qui est un petit peu... Hop. La deuxième. Hop. Alors, ça ressemble aux stickers aussi, sauf que là, c'est en die-cut. Et là, on a ça dans... c'est peut-être pour ça que c'est en pochette comme ça, d'ailleurs. Vu que ça tient très mal. Et ça, c'était à... Combien j'ai dit? 7,95. Voilà. Donc là, j'ai presque fini le tour de la commande. Quand même. Hop. Hop. Voilà. Je range. Donc, il manque un die cut qui n'a pas que je retrouve. C'est pas grave. Voilà. Ensuite... On a le Die Cut Element Autumn Bouquet. Donc j'ai celui-là.
Hop, pareil, je vais vous le mettre comme ça pour que vous le voyez en entier. Donc, j'ai fini par craquer dessus. Il était à 6,95 aussi. Hop. Mais comme là, j'ai nommé déco, enfin tout ce qui est créé à automne, je me suis dit que pourquoi pas. Voilà, donc là, on a beaucoup de fleurs quand même. Voilà. Oh, des vases, trop bien. Voilà, donc là, on a Happy Birthday. Avec amour, avoir une journée de ouf, de folie. Hop, les petits champignons, encore des feuillages et des champignons, des couronnes de fleurs, nice on you, tu me donnes le sourire, tu es trop sympa, enfin non, tu es trop, je sais plus quoi là, lovely, j'ai un doute, donc je vais pas dire de bêtises. Donc pareil, on a des petits textes, des petits fleurs, des petits feuillages, d'autres étiquettes, trop belles. Ça peut donner des idées en plus. Voilà, des petits tags et tout. Et voilà, donc c'est ça. Hop, à utiliser très prochainement, n'est-ce pas? Et enfin, on va terminer avec le petit sachet là. Alors, le petit sachet là, en fait, c'est pas compliqué. C'est que de la colle. Voilà, j'ai refait le plein de colle. J'ai refait le plan parce que bah déjà ma fille m'a pris piqué un des miens, n'est-ce pas? Donc du coup en plus il était en rupture celui que je voulais, mais bon c'est pas grave parce que vous, comme vous savez j'adore la colle de Badou. Donc du coup là c'était en rupture, c'est pas grave, je me suis rabattue. Sur le premier, la première colle c'est la Glue Matte Essential Tool. Ouais bah ça doit être ça. À 5,50€ j'ai pris celle-ci. Donc c'est la Studio Light. Voilà, mais à bout, ah bah. Oh, comme ça, donc de précision en fait, voilà, et ça se recharge très très bien, donc vous allez voir, j'ai pris aussi des grandes bouteilles pour les recharges, pour recharger mes tubes, donc j'ai celle-ci, en deuxième j'ai pris, donc celle-ci à 4,50€, ouais c'est ça, 4,50€, donc celui-ci pour remplir mon petit truc là, voilà, ces deux là ensemble. Ensuite, j'ai pris à 2€, oui, alors 2€, c'est celui-ci, Duo Cap, voilà, donc colle de bricolage. Et en fait, on a un goût pareil de précision, et l'autre, c'est un grand embout en fait. Voilà, donc là, on peut étaler la colle, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci aussi. Et du coup, pour celle-ci, je ne sais pas, je n'ai pas regardé si elle se rechargeait. Parce que ça, ça peut s'en aller peut-être. J'en ai aucune idée. On verra quand ce sera vide. Je ne vais pas le casser avant, n'est-ce pas? Au cas où. Donc ça, c'était 2€. Et donc, j'ai pris les 100 ml. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est l'autre? Parce que ce n'est pas les mêmes prix, alors que je ne vous dise pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pris celle-ci donc pour aller dedans. Ça, c'est 2,85€. Voilà, il y a 100 ml. Et du coup, ce serait pour remplir celle-là. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai de quoi remplir. Et enfin, j'ai aussi acheté, pour finir, à 3,15€. J'ai pris de la colle, mais transparente. Pareil, donc, colle hobby. Mais transparente cette fois-ci. Voilà. Mais je dois bien avoir un truc quelque part pour mettre la colle transparente pour faire pareil. Hein. C'est pas dramatique. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Enfin, ça y est, je peux ranger tout ça, tester tout ça. Donc, il est quelle heure? Ouais, je vais peut-être avoir le temps de me préparer pour aller travailler. Jouer un petit peu, peut-être avec, peut-être avec mes gorgeous, je sais pas. Pourquoi pas tamponner, essayer de faire la gorgeous au feutre à alcool, puisque maintenant, j'ai des feutres à alcool de qualité. Voilà, bon, ben, je crois que c'est tout. Je vais vous laisser. De toute façon, hier, je n'ai fait que de la lecture, donc je n'ai rien à vous présenter. Si, j'ai fini mon coloriage. Mais bon, vous le verrez plus tard, je pense. Je l'ai fini et du coup, j'ai sorti celui-ci. Et donc, prochaine session de colo, j'essaye d'avancer celui-là. Voilà, de Clara Markova. Donc, on va tester. Voilà, on va essayer d'avancer celui-là, hein, histoire de le finir quand même un jour. Donc, voilà, surtout que j'en ai fait... Ah si, j'ai fait 2 pages quand même. Oh, bah, ça va, j'ai fait 2 pages. Je suis bon poisson, mais... Ah bah si, là. Voilà, ça doit être les deux là que j'ai noté. Donc, je ferai ça après en session colo. Sinon, bah rien. Voilà. Si j'ai fini un petit
une petite Memory Dex quand même. D'ailleurs, il faut que je la range, ça y est, c'est sec. Voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera plus tard. Ciao. Hello. Alors, on est vendredi. Vendredi. 10 novembre, il est 8h52. Je pense que clôturer mon vlog aujourd'hui, puisque demain, je travaille toute la journée. Donc voilà, là, j'ai un petit peu de temps ce matin, donc je vais en profiter un petit peu. Bon, il va falloir que je nettoie mon truc, là, parce qu'il est un petit peu sale, quand même. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai, depuis la dernière rush, c'était des achats. J'ai lu. Donc là, j'ai lu 130 pages. Je continuerai ce soir, parce que je fais la fermeture. Quand je fais une fermeture comme ça, le soir, je lis, parce que j'ai pas le courage. Voilà. Donc, j'en suis déjà à 130 pages. Voilà. J'ai fini un colo et j'ai repris, comme je vous avais dit, je vais essayer d'alterner. Donc là, j'ai repris celui-là. Voilà, j'ai avancé quand même. Oui, j'ai avancé, voilà. Donc, hop. J'essaye de vous mettre la page en entier, mais j'ai du mal, donc je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Donc, j'ai plutôt bien avancé. Je pense que je vais reprendre ça ce week-end pour la finir. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. J'ai utilisé les Castle Art Gold de la hier. Sur ce papier là ça va, je voudrais bien les éliminer en fait, toutes ces petites gammes là, de moyenne gamme on va dire, je vais essayer de les éliminer, donc je vais les utiliser pas mal là prochainement je pense, histoire de après ne plus avoir autant de crayons et avoir que les gammes artistes. Voilà, donc là j'aime bien, je suis plutôt contente de moi, donc voilà, à continuer forcément hein. Mais ça ne se fait pas en un jour. Ça se saurait. Enfin, si je pouvais faire que ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, j'ai fait des petites choses quand même. En principe. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va prendre dans les projets en cours. Dans les projets en cours, j'ai avancé les ATC que j'avais de retard. J'en suis à 9. Voilà. J'en suis à 9. Donc, voilà. Je vous montre quand même ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je suis à 9, il me reste encore 3 à faire. Voilà, voilà. J'ai fait quoi, sinon? Celle-là, je crois que je vous l'avais montré, hein, mon petit Memory Dex. Je crois que j'en ai fait une autre, d'ailleurs, qui est rangée. Elle est rangée où? Ici. Avec, justement, ma petite Gorgeous. Oh là, ça c'est... faudrait que je la raplatisse. Voilà, j'ai fait ma petite Gorgeous. Voilà. Donc j'en suis à 3 Memory Dex, j'en ai plus qu'une dans le dedans. Il faut que je fasse le kiss. Mais comme je ne sais pas pourquoi c'était, je ne sais pas s'il y avait un thème imposé. Donc voilà. Il faudrait que je finisse le petit envoi là aussi. Ça, peut-être que je l'ai. Ouais, je vais peut-être essayer de finir ça. Ce serait pas mal. Je vais essayer de finir ça. Voilà. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter. Là, je vais peut-être faire des petits traits blancs par-ci, par-là. Là, je laisse ça comme ça. Ici, je pense que c'est fini aussi, donc c'est bon. Donc, je vais juste terminer peut-être cette petite chose-là. Et puis, j'ai pas fait d'ATC. Ah, ben, je peux peut-être envoyer ce que j'avais d'avance. Ouais, je vais faire ça. Et puis, préparer peut-être une petite pochette pour les mettre. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Donc, j'ai pas non plus fait énorme cette semaine encore. Bien que déjà c'est pas mal, je pense. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Un mood board, mais ça je vous l'ai déjà montré. Ouais, je crois que j'ai pas fait grand chose d'autre. Hein. J'avais utilisé mon bloc là, mais pour faire quoi? Je sais déjà plus. Si je l'ai utilisé, lui, j'ai fait quoi avec? Parce que j'ai utilisé des choses, c'est sûr. Ouais, j'ai utilisé. Ah bah oui, c'était la TC de Noël. C'est ça. Voilà, donc j'ai commencé à utiliser ce bloc-là. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut que je note dans mon carnet de lecture, par exemple, que j'ai lu. Alors, on va faire ça ensemble, tiens. Hop, mon Resin Tracker, parce que là, il n'est pas en avance. Donc là, on a dit qu'on était le 10. Hein. Oui, on est là. Donc hier, j'ai pas lu. Par contre, j'ai lu. On va regarder par rapport au calendrier peut-être. Mon bullet, il est là. Hop,
Oh là là, je suis en train de mettre un bazar sur le bureau encore. Je suis en train de par terre. Eh bien, allez-y, tout le monde, allez-y, allez-y, allez, on continue. Bon, ben, je sais quoi faire dans 5 minutes. Ranger mon bureau. Voilà. Donc, on a dit que j'avais lu. Je me suis arrêtée au 5. Ah, ben, dimanche. Voilà pourquoi. Donc, lundi, j'ai fait colo, c'est sûr. J'ai lu le 7. Voilà. Bon, j'ai pas lu beaucoup non plus. Hein. Voilà. Et j'ai lu mercredi 8. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, le tracker, pas terrible en lecture. Hein. Pourtant, j'ai envie de faire un peu. Bon, c'est pas grave. Hier, du coup, j'ai pas lu. Je pense que je vais lire ce soir. Donc là, je vais pas lire là, je vais pas lire là. Par contre, la semaine prochaine, je crois que je fais que des fermetures, donc je risque de lire toute la semaine. Si ma mémoire est bonne, bah, je risque de lire. Donc là, de lire là, je vais lire là, je vais lire là, là, puis après, c'est bon, voilà. Mais ouais, là, je pense que je vais lire pas mal. Bon, ce qui serait bien, c'est que je n'ai pas lu un seul livre encore. Hein. On arrive au milieu du mois et j'en ai pas fini un seul. Que mes 5 là, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop. Bon, c'est pas très grave. Donc, ça, c'est pour la lecture. Donc, vous voyez, je n'ai pas fini un seul. Le colo, je suis en colo. En colo, j'en ai fini 3. 3 et je mets objectif 5. On est pas mal. 3, le quatrième, pas très loin d'être fini. Je devrais avoir atteint mon objectif colo, ce qui est déjà pas mal. Par contre, mon objectif lecture, pour l'instant, c'est pas gagné. Et on scrap. Bon, bah, j'ai fini par terre, c'est pas grave. On scrap. Donc là, vous voyez, il ne me reste plus que 3 à faire. Donc je pense que je vais en faire ce matin. Et j'ai quand même fait tout ça. Donc on est déjà pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Voilà. Je pourrais commencer peut-être. Ah oui, c'est ça aussi. Là, d'ici peu, je pense que je vais rechanger ma pack et ma palle. Parce que on est là. Et que Noël arrive bientôt. Donc je pense que la semaine du 20, je vais vous faire une vidéo où je change ma pack et ma palle. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour ça, non, mes 3 carnets. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Là, en achat, j'attends le 15, justement. Parce que Shoe & Flower sort une collection. Et que donc je vais forcément craquer. Comme vous le savez, maintenant, il n'y a plus que chez Keeper, c'est Shoe & Flower que je craque. Donc, voilà. Je risque de craquer le 15. Donc, j'attends de savoir. J'attends de voir, comme on dit. Mais je pense que le 15, ouais, je risque de craquer chez Shoe & Flower. Et un livre de coloriage aussi. À cause de Zazu, qui compte faire, je pense, comme l'année dernière, au moment du calendrier de l'Avent, avec un livre de colo. Voilà, donc mais je pense que ce sera tout. Je n'ai pas racheté autre chose. On va s'économiser un petit peu. Donc, ouais, je ne vais pas acheter autre chose. Je vais prendre que ça. Voilà. Donc, sur ce, ben, je crois que je vais vous laisser. Je vais aller scraper un petit peu. Peut-être vous faire une vidéo, mais je ne sais pas de quoi. Ce serait peut-être temps que je m'en intéresse, d'ailleurs. Et puis, voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse. Je clôture mon vlog. Donc, vous aurez dimanche. Demain, vous avez une vidéo prévue. Donc, tout va bien. Pour l'instant, en vidéo, je suis pas trop mal. Ouais. J'ai réussi à garder mon organisation du mercredi, samedi, dimanche. Donc, je suis assez contente de moi. Pourvu que ça dure. Voilà. Ciao !